Ce soir, c'est un concert de Kito Slave, de chansons festives. Donc, je fais partie, moi j'y sais, avec Fred à la guitare électrique, Yves au percu et Fabrizio, notre contrebassiste invisible. Et donc, on a un petit site internet que vous pouvez visiter, kitoslave.com. Il y a aussi un site de musique équitable, Fairtrade Music. Il y a un lien sur notre MySpace, etc., qui est un site vraiment top. Et on a un petit CD à vendre, 12 euros, dont tous les bénéfices sont versés à une petite association en Colombie chargée de racheter des terres aux Indiens Kogi qui vivent là-bas. Donc voilà, un petit geste. Et merci au Furet de nous avoir filmé ce soir. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Les enfants, les yeux tombent, demandent chaque soir.
chaque soir. C'est la même histoire. Parfois elle ressurgit, parfois elle me sourit, parfois elle m'entend encore, ces mots qui sont des trésors. Parfois elle ressurgit, parfois elle me sourit, parfois j'entends encore ces mots qui sont des trésors, des trésors. Si je vous dis pirouette, vous répondez. Allez, pas. Pirouette, un avion.
Thank you.
cochon, le sourire à l'envers des smileys ronchons, regardant sans cesse leur montre à gousset. C'est le goût du temps qui les rend si laid. Ils courent, ils courent à travers les villes, on sent pas pression de perdre le fil. Pas rien plus important que les écrire, la douce frotteuse qui motive leur fille. Sous les tapets des mains sur le frein, ça nous aide bien. Le temps a passé. Et ça continue de compter les secondes. Comme une Formule 1, ils parcourent leur monde. Lorsqu'au coin de l'avenue me bouscule l'un d'eux, ne pas m'avoir vu, il affirme au mieux. Impossible de retenir l'attention de l'excité, en palpable sans rire l'attention de l'excité. Il reprend son chemin, en passion plein d'entrain. Il attrapera son train, son journal à la main. Des pensées, des années, ma pensée de rosalie, une chaise sur le nez, étonnamment guidé. Et dans le pur souci, dissocié de paix, de la vie des tambours sont le cahier de paix. Terra, terra, aïe, terra, terra, aïe. Sur les chapeaux de rouge, on voit des filets, des gens bien pressés. Et après, bienvenue, bienvenue sur les grands boulevards, où des petits bonhommes s'agitent dans leur costard. Ils ont de grands chapeaux. Si vous voulez du feu, alors... Merci d'avoir été là pour ce premier set, hein, c'était un honneur. Et à dans 10 minutes hein, pour une deuxième partie qui doit être encore plus. Bon, alors moi c'est Nice, je fume, je bois, mais surtout je fais des percussions. Voilà. Donc ça c'est pour le furet, et ça c'est pour moi. En fait non, ça c'est pour le point de vue, je sais, hein. Deuxième date avec Ito Slev, et puis bah, sur la route, toujours sur la route depuis 10 ans. Voilà, et bah, j'espère que ça va bien évoluer. A plus.
son nom à la personne en question. Veut pas mettre de dame, il payera l'addition. Car curieux de connaître, que lui envoie le maître. Dans l'art de conserver les pires inimitiés, prendra recommandé pour embellir la note. Il a tout échoué, il a mangé la carotte. Comment garder ses ennemis? Oh, 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 oh. Comment garder ses ennemis? Oh, 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 oh. Comment garder ses ennemis? Oh, 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 oh. Comment garder ses ennemis? Oh, 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 oh. Abonne-lui ou sa femme à une revue de charme. Ils se poseront des questions et sûrement s'embrouilleront. Je ne te suffis pas, pourquoi tu reçois pas? Tu peux en rajouter en laissant sur le palier de belles lettres d'amour. Ce sera la passe-cour. Morose a donc conclu le divorcé. Conclu, les amis de tes ennemis sont tes ennemis. Comment garder ses ennemis? Oh, oh, oh. Et donc je fais de la guitare électrique dans ce groupe. Je suis très fier d'en faire et ce soir c'était un concert particulièrement sympathique. Et avec derrière la caméra quelqu'un d'aussi sympathique que ce concert, bah régalez-vous bien et puis à bientôt. C'est moi et je suis deux. Je crois que c'est de la faute au bon Dieu. Je sais pas ce que j'ai, il faut que je freine. Je sais pas ce que j'ai, je suis schizophrène. Je suis en colloque dans mon cerveau. Je me parle tout le temps, tout va tout. Je partage ma tête, j'ai rien demandé. Ça fait maintenant des mois que je me travaille en deuxième mois. Je fais des pieds et des mains, tu vois. Mais il paraît que j'entends des voix. Ça fait maintenant des mois que je me travaille en deuxième mois.
ici. Je vous jure que c'est pas moi. C'est lui. Ça fait maintenant des mois que je me trimballe entre ces mois. Je fais des pieds et des mains, tu vois. Mais il paraît que j'entends des voix. Ça fait maintenant des mois que je me trimballe entre ces mois. Je fais des pieds et des mains, tu vois. Mais il paraît que j'entends des voix. Maintenant il va falloir m'aider. Je supporte plus de cohabiter avec aussi cinglé, avec l'horreur que j'ai créé, le temps passé, je reste deux, peut-être trois, mais je ferme les yeux. Je suis dans l'impasse, il faut que je freine, je suis dans l'impasse, je suis schizophrène. Song, c'est parti. Jouer du Mozart à l'envers et contre toi, sur le quai de la gare, ta voix au milieu des rôles, on mène encore parfois à ce que je ne suis pas, l'air de Vivaldi, moi. Que est-ce que tu pars, tu te fermes ou tu t'en vas? Je ne suis qu'un semblant, un petit 50%. Que est-ce que t'entends, les moments où tu ne vois pas? Les moments où je te mens, je deviens un peu plus grand. Un tour, je te sens, un tour, plus rien. Qu'un manège insensé, sous la neige hiver glacée. Alors je me dis, qu'il y a ce tout ce blanc. Au moment où tu m'attends, tu me serres et me surprends. En me disant que... Fini la vie à moitié, vide à moitié. Sentir ce cri et ses cheveux bouger vite et vite et qui s'échappe, détruit le chat. Lance tes pensées, t'en as oublié. Je me noie et tu te fâches. Ton plan sur ta colère dans la forêt de mes rêves. Ton trou dans l'atmosphère, mais suis-je prêt à faire une trêve? Un compromis sans doute ou une promesse incomprise. Se jeter à tes pieds, s'avouer sous ton emprise. Réconcilions-nous et faisons illusion. Ouvrons quelques cartons et tentons. Permets-moi d'être entier, on s'habite, on disparaît. Permets-moi d'essayer de croire en ce qui est pareil. Jouer du Mozart à l'envers et contre toi.
le pied à moitié. Merci beaucoup. Alors, on va vous laisser avec Fred pour une chanson. Donc, profitez-en bien. Celle-là, elle est bien placée. Ouais. Bon, ça va être un petit moment un peu difficile. Mais je vois pas pourquoi les autres se feraient plaisir, puis pas moi. Et puis, comme ça, vous aurez peut-être plus de complexe quand vous chanterez dans votre baignoire, dans votre douche. Hein. Enfin, bref, c'est d'utilité publique. Dans le lavabo. Alors, hein ? Dans le lavabo. Toi, tu chantes dans le lavabo. Pourtant, vu ta taille, ça tient quand même. Ça... Ouais. Un très grand lavabo. Ah, d'accord, ouais, c'est dit. Alors, bon, c'est une chanson qui parle du poker. Je sais pas si ici à Mulhouse on joue au poker, peut-être pas. Bon. Moi, en tout cas, j'y ai joué. Voilà, j'y ai joué une fois. Bon, vous allez comprendre pourquoi dans cette chanson. Je suis pas un très bon joueur, hein. Mais bon, j'ai donné tout ce que j'avais. Hein. Et donc, bon, on va commencer cette chanson par une note pour faire original. Et en général, bon, dans tous les bars de France, et puis même de Navarre, bah, ils la donnent, ils ont un peu, je sais pas, il y a une osmose, il y a un truc. Par exemple, là, si je vous dis un mi, je compte jusqu'à 3, bon, il y en a peut-être qui ont l'oreille absolue qui vont pouvoir me faire un mi, quoi. Hein, je parle, bon. Vous êtes prêts? Ouais? Au fond, là-bas. T'es prêt? D'accord. Prêt? Ok. Bon, je compte jusqu'à 3, vous me faites un mi à un vrai, quoi, à l'oreille, comme ça. 1, 2, 3. Bon, alors c'était bien, c'était pas mal. Bon. Alors, on a connu mieux à Verdun, je crois que c'était légèrement mieux. Sinon, on peut faire des blis. Et, ouais, il y en a, il a fait sol, mais il a fait un mi. Donc c'était bizarre. Non, mais justement, t'as fait un sol faux qui donnait un mi. Alors, bon, j'y sais, vas-y, régularise-nous tout ça. Oui, alors, bon, moi, je vais donner la vérité, le mi absolu de la guitare contre-accordée. Voilà, mais bon, faut que tout le monde fasse un mi si vous voulez passer 4 minutes correctes avec Fred, parce que des fois, c'est très tendu, donc ouais. 4 minutes, ça peut paraître très long parfois. Ça doit être ça. Donc, ouais. Tous ceux qui veulent passer 4 bonnes minutes, faites un mi. Là, c'est bien aussi. Monsieur lui s'est retenu. Je ne sais pas chanter. Non, mais moi non plus, tu sais. C'est pas grave, hein, regarde. Ah, il suffit de... Attends, non, mais Pascal fait un beau mi, j'aimerais bien le rendre bah, en solo. Quoi, quand même, le boss, allez. Il sentait, c'était bon mi. Bravo. C'est un mi de pisciculteur, ça. Bon, là, ça a du bon la suite. Hein. Allez, Fred, tu peux pas te planter là. Ouais, parti. Attends. 3, 4. Il y a des foules sentimentaux, en doute de ma santé mentale. Elle est branlante quand j'ai du pot, et que mon bras en rend vénal. J'ai de la suite dans les idées, une paire de mitres dans mes chaussettes. Au fond de mes rêves, un carré de balai qui me pique la tête. Coup sur la tête, as de carreau, où je reste et mon cœur s'étale. On ne peut pas miser les mots, mais on peut jouer son futal. J'ai joué mes fringues au poker, elle valait bien 100 billets verts. Surtout après le dixième verre, j'aurais dû écouter mon père. J'ai joué mes fringues au poker, elle valait bien 100 billets verts. Surtout après le dixième verre. Retrouver sa dame son chez soi. Moi comme un fou, je l'ai misé. J'avais le droit et puis deux rois. On peut dire que ça a fait un flop. Qu'on m'a percé décomposé. Je suis resté seul, blanc, misanthrope. Face à la couleur annoncée par l'Américain qui est alors sous ses lunettes et son chapeau. Il est parti, ma femme sous le bras. Pour être honnête, j'en voulais trop. J'ai joué ma part au poker, elle valait bien 100 billets verts. Surtout après le dixième verre, j'aurais dû écouter mon père. J'ai joué ma femme au poker, elle valait bien 100 billets verts. Surtout après le dixième verre, j'aurais dû écouter mon père. Attends, Fredo, quand même.
Bon, ce soir, au greffier, il vient de jouer quand même ses fringues au poker. Quand même, il est pas mal habillé. Bon, c'est peut-être à cause de ça. Il a joué aussi sa femme, ce qui nécessite quand même un certain courage, même s'il est mal placé. Et donc, si vous voulez qu'il aille encore plus loin, il va falloir l'encourager un petit peu, s'il vous plaît, le greffier là-haut. Ah ouais, hein, ça encourage, hein, ça encourage. Moi j'en connais qui aimeraient bien la jouer leur femme au poker. Ça m'étonnerait pas ici. Je dirais pas les noms. Ouais. Non, non, j'ai regardé le Jack Daniels derrière. Alors, donc mes fringues, ma femme, bon, bah, qu'est-ce qu'il reste? Ouais, ouais, je sais, c'est pour mon bien, c'est ça? D'accord. Alors. J'ai joué ma femme au poker, elle valait bien 100 billets verts, surtout après le 10e verre. J'aurais dû écouter mon père, je l'ai rattrapé dans le couloir. Je lui ai dit, c'est qui te double? Je l'ai refusé dans le couloir. Il avait su un sombre trouble, je sais que vous êtes dans le besoin. Lui ai-je lancé, comment t'écoutes? Je suis prêt à jouer mon rein pour récupérer mon épouse. Je voulais deviner la fin, la charcuterie et le melon. Je sentais quelque chose en moi, en venant vers ma maison. J'ai joué mon rein au poker, il valait bien 100 billets verts, surtout après le 10e verre. De chambre, mon infirmière, ouais, peut-être à Pascal, peut-être, quelque chose de sûr. T'aurais dû écouter ton
t'interpelle, je peux me faire bailler. Ouais, tu connais la fin. Alors, mais c'est aussi des fois le moment du concert où le public est en folie. Bon, je la refais. C'est le moment du concert où le public est en folie. Ouais. Il y a quand même un ou deux ouf quoi. On part rassuré. Voilà, on va se faire donc ce dernier petit refrain, donc tous ensemble, nous en dehors du micro, avec toute la vibe qu'on a, et puis vous avec toute la vibe que vous avez, on compare et puis on voit ce que ça donne, c'est un beau melting pot. 3, 4. La liberté n'est pas qu'un joint qu'on peut fumer au fond de son canapé. Sirène de bateau, ça, non, ah ouais. De la vieille voiture de 1900, je sais pas comment. Faudrait le sampler, lui, je pense, pour le prochain disque. La Ford T. Bon, allez, on va quand même se quitter, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Bon, on se fait une dernière petite chanson dédicacée à tous les voyageurs. Vous tous qui êtes venus jusqu'ici ce soir, nous donner un petit peu d'attention. Et au premier set, ça va aller l'or. Et puis tous les autres qui ont des tentes, des cartons, des camions, des tipis, des yurts, des caravanes et qui peuvent pas vivre plus de 3 mois sur le même terrain en France, celle-là, elle est pour eux. Allez. Bye.
que c'est la guitare. Merci beaucoup. Donc à propos, on cherche un coin de salon où dormir à trois ce soir. Et donc ce soir, la guitare électrique, c'était Fred, un maximum doré pour les, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Bon bah merci, on va s'en faire une petite dernière. C'est une petite chanson en acoustique qui nous sert à remercier tous les gens qu'on n'a pas toujours l'occasion de remercier. Et si vous captez le refrain, vous pourrez le faire avec nous. Ça fait du bien parfois. En tout cas, derrière ça, j'ai jamais vu autant de gens bailler. On est rentré dans le record de nos 500 concerts, la table vide, respect. Bon, allez, c'est parti. C'est comme le bonheur frère qui sert un peu la gorge sur nos lèvres, on les sent, les sourires qui se forgent. C'est un rayon de soleil qui caresse la capitale, qui s'étire et s'étend sur les routes qu'on déballe. C'est pas grand chose, mais c'est pas rien, c'est juste connaître quelqu'un, quelqu'un de bien. Ça fait grimper le sourire plus loin que les oreilles. Ça fait remuer les tripes jusqu'au bout des orteils. C'est l'école buissonnière, c'est aller voir ailleurs et boire une ou deux bières. Au pire et au meilleur, c'est pas grand chose, mais c'est pas rien. C'est juste connaître quelqu'un, quelqu'un de bien. Ça fait quand on croque dans du chocolat, le monde qui trône sous chacun de nos pas, l'envie que ça donne d'aller voir là-bas ce qui encore et toujours nous dépassera. C'est pas grand chose, mais c'est pas rien, c'est juste connaître quelqu'un, quelqu'un de bien. Ça donne envie entre autres de cracher nos yeux dans les vôtres. C'est un soleil d'hiver qui brûle entre les doigts. C'est jouer le joker lorsque plus rien ne va. C'est pas grand chose, mais c'est pas rien. C'est juste connaître quelqu'un, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est pas grand chose, mais c'est pas rien. C'est juste connaître quelqu'un. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce rad qui veut un dernier solo de guitare de Fred? Ouais. Alors, attends, comme il n'y a pas le feu, vous pouvez lever la main aussi. Le caméraman inconnu, on veut un. Alors, vas-y, Fred. Ok, alors j'y vais. Vas-y, gros. Voilà, on fait le tour de la France et des endroits.
endroits comme ça, bah, on les cherche, nous on les trouve, mais il n'y en a plus beaucoup. Alors donc le patron du bar, il entre à l'instant, donc je voudrais une ovation pour Pascal Siloplec qui organise la soirée. Même les dormeurs, quand même, vous buvez des coups et vous passez une bonne soirée, ça va? Non. Voilà, eh, normalement, vous priez au moins 7 secondes, alors je voudrais un maximum de bruit pour Pascal, s'il vous plaît, à toi. Ce soir, ça va être un truc de dingue, c'est-à-dire le petit refrain a cappella pour Pascal, donc uniquement pour ceux qui passent une bonne soirée dans son bar. Alors c'est parti. 1, 2, 3. C'est pas grand-chose, mais c'est pas rien. Si tu connais Pascal, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est pas grand-chose, mais c'est pas rien. Donc on a un petit CD à vendre qu'on vendisse plus de 12 euros, dont tous les bénéfices sont reversés à une petite association chargée de racheter des terres aux Indiens Kogi de Colombie. Voilà. Et puis on a aussi un petit livre d'or, vous pouvez laisser ça un mot, ça c'est pour la route. Voilà, parce que la semaine prochaine on sera vers Lille à Saint-Quentin, donc si vous êtes là, ça peut être cool. Voilà, bon, ça va se finir comme ça, dans un moment où tout explose, le bar va fermer, tout le monde rentre chez soi, il n'y a plus de coups à boire. Allez, c'est fini, mais si jamais vous en voulez une dernière, il va falloir faire un peu de bruit maintenant. Je crois que ce soir, exceptionnellement, on va pas se faire prier. Hein. Alors, bon, on va faire une dernière, c'est une chanson d'un groupe de potes à nous qui s'appelle Les Ongles Noirs. Et donc, si vous voulez découvrir plein d'autres groupes de chansons qui se bougent, parce qu'il y en a encore une dizaine sur le nord de la France qui en vivent, allez sur myspace.com/kitoslev, écoutez La Gargote, Tournée Générale, Quack, voilà, etc. J'ai du mal à les trouver même. Alors c'est parti, celle-là est des Ongles Noirs. Merci à vous tous d'avoir été là en tout cas. Et surtout à la première partie, au premier set, c'était assez... Une grande invitée de marque, la mort. Le temps qui passe m'a tellement usé la carcasse. Les vieux souvenirs, des rires, des odeurs, tant frais, c'est pas trop ça qui me tracasse. Un, deux, trois. La vie qui passe en m'oubliant dans la place. Me lève encore quelques miettes de bonheur avant de faire sonner ma dernière heure. Car la lumière depuis l'obscurité m'envahit, alors je passe. C'est ainsi que le prénom. Je vais partir, je partais faire un grand tour de terre. Sur un grand air de terre, je partais les poches pleines de poussière. Je vais partir, je vais enfin rencontrer le grand mystère qui m'a fait flipper ma vie entière. Alors profitons bien du dernier verre. Tu m'embrasses et y'a ton dentier qui dépasse. Tes vieux cheveux me balaient, ta peau parcheminée, y'a pas moyen que je m'en lasse. C'est bien toi qui chasse toutes mes peurs et mes angoisses. Transfiguré par ta beauté, par ta grâce, je peux faire face à la vieillesse qui me terrasse. Car la lumière me fuit, l'obscurité m'envahit, alors je passe. Ouais, la lumière me fuit, l'obscurité m'envahit, on n'y peut rien, c'est ainsi que... Je vais partir,
vie entière, alors faut qu'il tombe bien du dernier verre. J'ai peur de départir. T'abstenir, hein, c'est assez intime ce genre.
nous avons. Mais je voudrais encore un maximum de pour Pascal et Mélanie qui se bougent, quel que soit le nombre de personnes, quelle que soit la soirée. Voilà, qu'est-ce que je veux dire.